Ep, aujourd'hui on est là pour la critique de The Defenders saison 1. Alors j'aurais pensé que donc Defenders serait ma série préférée Marvel Netflix. Ça je l'avais pensé avant de regarder Luke Cage. Et au final non, enfin j'ai bien aimé, mais je préfère toujours The Punisher, c'est ma série préférée Marvel Netflix. Ou même c'est une de mes séries préférées parce que j'avais mis 10 sur 10. En fait, la rencontre avec les 4 personnages semble bien faite, notamment grâce à Claire Temple. Mais moi j'ai senti qu'elles étaient là pour la série, bon c'est normal, mais j'ai senti ce petit côté-là. Après néanmoins, certains liens entre les personnages sont pas mal, surtout celui entre Luke et Danny. Mais le groupe, désolé de dire ça, mais il fonctionne pas. En dehors de ces liens-là, les personnages sont beaucoup trop différents pour former ce groupe. Mais en vrai, l'univers de ces séries-là est pas mal. Même si j'ai pas aimé Luke Cage ni Iron Fist, c'est pas mal en vrai, tout est lié, pensé depuis le début aussi. Mais après, c'est vrai que Defenders, c'est un petit peu trop rapide. Pour une fois, peut-être qu'un format de 10 épisodes, ça aurait été peut-être mieux, je pense. Comparé par exemple à Luke Cage, qui était beaucoup trop lent. Du coup, je mets 8 sur 10. C'est pas une très bonne note comparée à The Punisher. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment devant. Mais pas trop non plus. Du coup, cette critique sur la saison 1 de Defenders est terminée. Du coup, ciao.